Bonjour à tous. À l'Université de Bordeaux, 87% de la documentation proposée est sous forme numérique. En passant par votre ENT, ces ressources sont consultables, aussi bien depuis un poste de l'université que depuis chez vous. En quelques clics, vous avez donc accès à des milliers de revues, d'ouvrages en ligne et de bases de données dans les différentes disciplines de recherche et de formation de l'université. Avant qu'une ressource soit mise à votre disposition, notre mission consiste à évaluer, négocier, acquérir et enfin ouvrir l'accès à ces ressources numériques. Mais pourquoi négocier l'accès aux ressources numériques? Au travers du consortium Couperin, les BU négocient avec les éditeurs le coût des ressources électroniques afin de retenir l'offre la plus diversifiée et la plus adaptée à destination des chercheurs et étudiants. Depuis quelques années, nous veillons à soutenir des ressources en accès ouvert. Ce sont des contenus pour lesquels les droits de propriété intellectuelle, les modes d'accès et les prix sont conçus pour ne pas entraver la recherche, sa libre diffusion et ses budgets. En ce moment, vous avez sans doute remarqué que les éditeurs élargissent leurs accès ou donnent accès gratuitement à plus de contenus. C'est leur contribution au confinement. Chaque semaine, nous vous récapitulons sur le site web des bibliothèques ces initiatives. Toute l'année, vous y trouverez également le moyen de nous demander de vous fournir d'autres revues ou ouvrages en ligne. Bonne lecture à tous, à tout de suite sur votre bibliothèque numérique et à bientôt dans vos BU.